J'étais en train de lire Genèse chapitre 42. J'ai lu quelque chose qui m'a fait sourire beaucoup. Et c'était le moment où il avait une grosse faim dans tout le monde. Et il n'avait pas de nourriture. Et la famille de Jacob était en train de mourir de faim, littéralement. Et Jacob dit à ses enfants, écoutez, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous vous regardez l'un ou l'autre? Réagissez, faites quelque chose. J'ai entendu qu'il y a de la nourriture, il y a des choses à manger en Égypte. Allez-y, partez, faites quelque chose. Réagissez. Combien de fois nous avons des soucis? Bien sûr, nous prions Dieu, nous demandons que Dieu puisse agir, qu'il fasse quelque chose. Mais nous restons jusqu'à l'attente. Il faut qu'on fasse quelque chose. De cette façon, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en réagissant, en partant pour aller à chercher de la nourriture, ils ont coopéré avec le plan divin. Ils ont rencontré leurs frères en Égypte quelques décades après, plus tard. Donc vous voyez, nous avons toujours quelque chose à faire. Donc si tu as un souci, arrête de te regarder au miroir et fais quelque chose, réagis.